DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oye ye. Merci Bandeko ya Mikilia Bapaya, Mikilia Poto Boza Otala Biso, Bandeko ya Kinshasa, Bandeko ya 145 territoires, voilà. Tango Koki RDC, dans Tango Koki Magazine, dans Jési, en collé encore des retours pour vous parler des actualités au pluriel politique, mais également concernant la sécurité du pays dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là, trop c'est trop, Jean-Pierre Bemba écarté et désavoué dans les secteurs de transport. Nous allons traiter cette question. Et aussi, Toro Lebela, Nao Italie, élection du bureau définitif du Sénat, prévue pour la semaine prochaine, c'est le mercredi 7 août 2024. Donc, nous allons traiter aussi cette question concernant l'élection du bureau définitif du Sénat. Et mais également, nous allons parler le dessus des cartes et les dernières décisions par rapport aux victimes et aussi des morts au Salamaki, na stade des martyrs, après le concert du pasteur Moïse Mbie. Pas simplement après, mais pendant les concerts et après les concerts du pasteur Mike Kalambaye, pas Moïse Mbie, excusez-nous, du pasteur Mike Kalambaye. Mais également, nous allons traiter la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Et concernant la question Est de la République démocratique du Congo, nous le savons tous que nous sommes agressés par les Rwanda, mais les Rwanda, Azaliko s'est caché derrière plusieurs personnalités, qu'on peut dire de personnalités congolaises. Et là, nous citons rapidement Corneille Nanga. Est-ce que vous le savez qu'il y a un dossier ouvert ici à Kinshasa, Azaliko Landela, Azaliko Sambisa, Corneille Nanga, pendant qu'il n'est pas encore arrêté? Nous allons interroger la loi pour comprendre est-ce que de telles procédures ou encore de tels dossiers, il faut essayer de traiter de cette manière. Est-ce qu'on peut juger en pénal quelqu'un qu'on n'a pas encore arrêté, quelqu'un qui est absent? Et les dossiers Nanga continuent, le procès continue, et nous sommes maintenant dans une phase secrète où les procès et que vous allez les sous publicité. Nous allons bien suivre ces dossiers et nous avons quelqu'un qui est compétent à la matière, une personne compétente à la matière. Et dans cette émission, Boyebisangai, Toyebisabino, qui est Rosala vraiment satisfait, Togo Sepela Makasi, parce que modèle émission que Salamano, nous vous recommandons cette émission. Nous vous recommandons cette émission de Tolo Baratang, Koki RDC, Eza Télévision, Eza Bémission, Koulandana Babokilo, Yananga Mwasi, Yananga Mobali, Tala émission, Kotala, Elongona Mwasa Libala, Elongona Kotala na fiancé, Elongona Kotala na Babokilo, Za Kotala Bissouna Mikilia Bapa, Obotibana na Poto, Baby Kisasate, Baby Kongote, Tala chaîne de télévision, Tala émission, Koulandi Sabana, Koulaki Sabana, Baeba Makamboza, Olekana Mboka na Bango na Bosolo na Bozindo, Oto Bengi Tango Koki RDC, les gardiens de la cité, le temple du patriotisme et de la méritocratie, le temple aussi de la vérité. Ici, nous traitons les questions politiques et sécuritaires au vrai sens du mot. Alors, Nambi Pona Biso, Lissous, Pona Balami Balé, Maître David Isiaka. Allo Baramalamu, Azamo Imboka, Congolais de père et de mère, Akosolo Lanabiso, Akoyebisabiso, Toko découvrir Makambo Belenaye, tout ça, la confiance totale, la débit jusqu'à la fin, comme ça, Toko évaluer vers la fin. Tu évalues dans les bandelités, bo limbaye ko tala yene bandelité, mais bo tala yeki nous nasuka comme ça, bo évaluer. Vous allez nous envoyer des messages même na privé ou sur commentaire, bo meka ko évaluer, inviter na biso toko soana elelo akolo balo lengenin. Alors, Maître David ici à Kanapé Sombote. Bote ndeko de Jésus. Merci. J'aime la lingami ou bien la de Jésus. Voilà. Voilà, voilà. Ah, tout ce peli souko yambayo, et zambala yami balé, bandeko bare ba senga kiyo, tout yambayo li sousou, mais tout relevé la plus, makambo oye etali politique yambo kanabiso. Le premier dossier que nous allons exploiter, c'est l'élection au niveau du bureau définitif du Sénat. Nous avons un programme, un article, une information qui vient là de tomber outil au niveau du rapporteur du bureau provisoire, bureau d'âge. Si vous allez me permettre de le dire de cette manière-là, nous allons lire rapidement. Les honorables sénateurs et chers collègues, initialement fixés pour ce lundi
29 juillet 2024 le dépôt des candidatures aux différents postes de membres du bureau est reporté de 72 heures suite aux problèmes techniques et logistiques. Par conséquent, le calendrier tel décidé est réaménagé de la manière suivante. Le vendredi 2 août 2024, dépôt des candidatures de 9h à 18h. Le samedi 3 août 2024, examen des candidatures par la commission affichée de la liste provisoire des candidatures retirées, des candidatures maintenues. Et le samedi 3 août 2024, examen des candidatures par la commission et affiché, j'avais déjà lu. Le lundi 5 août 2024, l'examen de recours par la commission et affichage de la liste définitive des candidatures retenues. Le mardi 6 août 2024, séance plénière d'audition des messages de la campagne électorale et le mercredi 7 août 2024, séance plénière, élection et installation du bureau définitif du Sénat. Et le message est signé les rapporteurs du bureau provisoire du Sénat, Ivan Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat. Alors, Maître David Isiaka, na niveau ya Assemblée nationale, élection et Salamaki à bureau définitif. Automonakine Kovital Kamere Nazali président de l'Assemblée nationale. Ce qui restait c'était au niveau du Sénat. Alors tu copies Sabiso le message, le communiqué confirmé selon le programme. C'est le mercredi 7 août 2024, on est élection à bureau définitif et Kozala au niveau du Sénat. Donc baza na séance moko extraordinaire parce que pendant ces temps, c'est le temps de congé parlementaire, mais les sénateurs bah allez continuer à travailler pour la copie Sabiso Kobimisa. Bureau définitif na bango eko kamba bango durant les 5 ans il y a mandat oya mibale à président Tshisekedi. Alors Neko Maître David Isiaka bomoni ba date ça déjà en place affiché et ba candidat ba ebanina noté parce que depuis ba candidature eko banda le lundi la semaine prochaine. Alors na komona ba enjeu de l'air ndenge zali ko kende qui peut être le président du Sénat, quelles sont les personnes qui peuvent composer les lots bureau définitif, il y a Sénat, on a parce que le Sénat aujourd'hui, c'est la chambre haute et participe à rappeler Makassi, na au Italie, arrangement des lois, la révisitation des lois et aussi ce qu'il faut savoir, Maître David Isiaka, les dauphins constitutionnels du président de la République, c'est le président du Sénat. En cas de congé, en cas d'incapacité, en cas d'absence, il y a président Tshisekedi, c'est lui qui va remplacer constitutionnellement parlant le président de la République. C'est le président du Sénat, le président constitutionnel, pardon, le dauphin constitutionnel, il y a président de la République, c'est le président du Sénat. Alors, selon les enjeux de l'air, qui peut conduire les bureaux définitifs, il y a Sénat. Voilà, merci Mingi Ndeko Fiston. Avana Limola Likamba Sénat, je commence d'abord par dire merci, surtout beaucoup plus pour l'invitation. D'accord, merci. Je suis flatté et honoré. Et je crois on va se régaler. Je salue également tout le monde na pesimbote na ba union so ba landa biso na zela ya micro ya tango ekoki. Ça sera vraiment de moments merveilleux. Ndeko Fiston avana simba likambo ya Sénat. En tout cas le 20 décembre 2023 to kana ki boyete. OK. Le lot pour que j'arrive place au. C'était terrible. Transport et alité. Bah, ibsingai, parce que quand je sortais, nazo bimana komi na arrêt, nazo tourna. Pourquoi plusieurs personnes na arrêt, boy, bazo ibsingai que les privés basali grève. Tracasserie le qui par les policiers. Basali grève pour makamuna bango et tambola malamute. Et du coup, pour ce qui concerne l'évolution yambo kanabiso les lots que otali les gens souffrent sur le côté na réseaux sociaux au moins que batou bazo loba loba mingi. Pourquoi? Parce que transport réalité et que l'État est incapable ya commettre ba moyens en gens pour ne fût que sortir des transports publics pour assoupir la population. Mais transco et aujourd'hui quel transco transco réalité ne dit transco rond point victoire bakanga yango Babo Mali, nous,
transcozate le loso ko bimi o komi na barre le lo amboutage za partout ba to bazo ke de makolo bazo beta ngolo. Pourquoi? Parce que transport ezalite les privés ont décidé ya rosa la grève et du coup l'état la République démocratique du Congo est incapable ya ko trouver solution par rapport à lo koala afin de décanter des situations et yango nyonso yo makambo nyonso zo mona boye na lisko na lobela makambo ya Sénat aujourd'hui depuis élection il y a 20 décembre jusqu'à ce jour tout ça lui combien de mois tout ça lui pratiquement 7 mois na 7 mois wana biso tozo zela ba ba bimisa makambo na ba tout ça pour qu'il y ait les comités définitifs, disons les bureaux définitifs pour que makambo ekende liboso bango bazo me makabiso kaka avec leur esprit et partage des postes alors que le Sénat wana ndenge zali wana c'est d'abord premièrement une charge pour la République. Lucola osa la charge pour la République balingisko ba memabiso na lourdeur alors que c'est le dernier mandat du président Félix Tshisekedi qui devait travailler avec fervescence et laisser sa touche particulière. Lelo Sénat wana ne ba ali wana disons pour ce qui concerne l'administration ya mboka tozali bloqué. Pourquoi? Parce que tozose la Sénat ba bimisa bureau définitif pour que même ata ba loi na niveau ya Assemblée nationale et ba na koleka pour que ata déjà aujourd'hui avec l'histoire ya Escamocho yo tata mokonza mboka lobaka a redissoudre le parlement ngonde nini parce que la chambre haute n'est pas encore disons régulièrement à décréter comment la guerre avec le roi pendant que voilà à décréter la guerre comment pendant que Sénat wana tozo zela na élection à bureau définitif et du coup ça commence à nous taper sur les nerfs et moi pour ce qui concerne d'abord l'enterre oyo nazo dénoncer ango liboso ya caméra na yo nazo dénoncer ango na micro ya tango ekoki pour que les chefs de l'État puissent voir totu na likamboza nini likamboza wapi parce que toza ba premier belia ko résoudre toza ba mampinga na est kuna photo tinda mbongo toza na makambo ebele la situation sociale ezana nou problème et du coup il faut to mega ko résoudre likamuno ya Sénat oyo et ba report na comme on a ça commence à taper sur les nerfs et déjà ti ba les 7 août dans zone la musique alors et pour ce qui concerne na ligne na le bela makamusko ya postire ya postire ya les candidats tout ça j'ai entendu récemment na yoka ki keno le l'ex ministre premier ministre Sama Lukonde a repostulé susukuna pona ngai nde ko fiston yende candidat unique ya union sacrée hein. Pour et c'est le lieu sacré qui est majoritaire au niveau de la Sénat. Pour Nangaï, c'est une erreur. Comment ça? Azo remplir ba condition, ba qualité, ba compétence sur nos sautés. Tout le monde qui est na primati. Oui. Très récemment. Ici. Est-ce que Okope Sangaï bilan en termes avancés au yo Sama Lukonde Salaï? Organiser les bisous de l'élection en 2023. Et quoi encore je peux dire? Et il a géré les deux provinces César sous état de siège. Et tout le monde m'a rembobiné. C'est ce que peut-être je peux dire. État de siège. 145 territoires lancés. Et état de siège n'est pas sous sa politique. Hmm. Et qu'organiser ma élection. Ma élection, Moutounio s'est organisée. Donc, attends à ce que tu as organisé. Je suis pas incompétent, mais l'élection n'a pas organisé dans l'élection. Transport aérien. Nambo cannabis ezali passe. Combien des avions sous son gouvernement et son bama? Ok, hein, j'espère. C'est le premier ministre le plus mou, silencieux que moi j'ai connu depuis Nabotama. Est-ce qu'un premier ministre doit être parleur ou bien travailleur? Un premier ministre n'est pas obligé maître d'avis. Il y a à tout moment, c'est de travailler. C'est un parlementaire qui a ces droits-là de beaucoup parler. La ratiba de Obazo Landabiso, un leader. Oui. Un leader se voit et se connaît par les visages. Un leader, c'est celui qui parle pour donner des ordres, pour donner des orientations, pour se faire sentir, pour faire sa makati na force na yo et ça la rende dans zela maloba. Ezala kalanzela maloba.
combien de décisions Oyobiso Toyebi prises, initiatives par les chefs du gouvernement Oyosama Lukonda Salaka en termes il y a avancé dans mon cannabis au mon et du coup pour la poste wana je ne pense pas parce que déjà il a fallu approuver à la kisamaka sinaï à partir il y a primatiro bape ça qui est et du coup il n'y a pas les sous sous sénat à la moins bape ça m'tumsus il n'y a sacré bateau balier belé kuna bape ça m'tumsus des personnes compétentes parce que c'est le dernier mandat du chef de l'état tozo boya toko tana makamsus et du coup nini nabiso est à la critique parcours nabiso est à la critiquer en tout cas c'est ce que moi je suis en train de vouloir éviter et en termes il y a caricature le premier ministre l'ancien premier ministre ne mérite pas pour n'angai a je mérité poste wana donc selon au maître David Isiaka Samalukunde azali ko mérité ko zala président il y a sénaté vous connaissez quand même quelques têtes quelques figures il y a sénat qui peut être aujourd'hui candidat président parce que tomoni ndekoba tilukwebo azapé le sous éli sénateur tomoni ma sénateur ba grande figure belezawana et encore tomoni ba nouvelle figure ekoti tomoni notre patriarche le sénateur Kadia Tanzemba tomoni pa zawana et bazamo ebelé hein parce que aujourd'hui nous jouons plus sur la géopolitique parce que c'est tomoni primature et qui paye à Bata Congo central la présidence et c'est paye à Bande Konabiso ya Kasai et les nord et les sud qui vous basent assemblée nationale et tika lesko bato a grand katanga ne bazoa le sénat et c'est pour cela ba pointer les doigts sur Samaluko est-ce que bato a grand katanga wana zolo bana no grand katanga parce que le kamwana na ki anga le loter est-ce que c'est une bonne manière que président azay a Kasai ma kamwana za la kinote o nenge bino bozu bo e biso to zoa bo e biso to sala bo e biso to kende bo ngala linga ngote voilà. C'est ce qui crée des problèmes dans le cannabis. Le président, président déjà nomination à la première ministre yo mama nani Soumino et crée qui problème na katanga. Bah comme ils se sont soulevés pour dire non voilà, tolingi to sala soki c'est de so peneni pourquoi parce que poste wana ezala ra poste na biso. Ndenge nini bilo boko pesa mutu mususu alors que poste wana ya primatie ezala réservé pour Lumumba zalagi ya katanga. En termes non, je ne parle pas de Lumumba, je suis en train de parler sur la reconstruction du pays depuis Mouzé jusqu'à ces jours. Parce que Lumumba c'est quelqu'un que en tout cas en termes il y a respect c'est quelqu'un qu'il faut respecter dans Mbokoyo et du coup miso tozo lo banano à partir il y a reconstruction en Mboka de Musée Laurent jusqu'à ces jours ceux qui ont tali na palmarès poste wana ya primati et ça la kaka pona katanga et tant ba nommé mutu wa Congo central bato akatanga wana déjà ko se soulever avec leur histoire ya comment on appelle ces milices wana bazana milice mo ba soki ba katakatanga soki ba nini wana ils se sont Gédéon Kyungu voilà avec Kyungu allez ils se sont soulevés balobi ke note ndenge nini biso to kozwa nini wana te alors que eloko wana depuis kala ezala ka biso ya wana zo mona des c'est ce qui nous a retardé aujourd'hui to komi pratiquement 7 mois et que solution ezwa mikaka kuna te parce que non katanga neni katanga ko rate nyoso to bopesa katanga eloko wana aujourd'hui balingi ba bimisae candidat unique il y a union sacrée et en termes il y a passé naé moi je ne suis pas d'accord nakati ke ba congolais belé ba landa biso bango pe baza d'accord te ke papa na azonga la poste wana parce que là-bas c'est la sagesse là-bas c'est on prend de grandes décisions que de l'autre côté et du coup ko pesa mutu oyo bo pesa ke déjà eloko ya nini wana neti primati wana tout ça et que déjà ceux qui na to ke ndeka kana ba défavorisé wana to tuna na 2023 ancien premier ministre oyo azala na 2023 kombo na ye nani ba oyo biso kombo na ete pourquoi parce que ba ebi ete il se réservait toujours derrière son bureau sous la clim hein, voilà un chef un peu mou tout ça non va moi je suis chef je parle pas beaucoup je ne fais que donner des ordres en silence tout ça et du coup prima nini sénat wana pona ngai azo mérité sénaté et donc en termes ya batu oyo toko mega ko réfléchir à propos na union sacrée jusque là il y a pas beaucoup de gens oyo ba manifesté déjà cette soif ya toyoka ki baati azo senga à reprendre encore ce soir to moni ba bande ko mosu surtout ya grand équateur na ya grand kasai ba ko senga de go fiston patriarche Kadia Tanzemba pe azo sika wana voilà peut-être vieux wana
parce que le poids de l'âge aussi, c'est qu'il faut lutter. Non, le problème, c'est il faut qu'on la paix, le contexte, il y a raison d'être, il y a Sénat. Là-bas, c'est Sénat, c'est le comité des sages. Et d'ailleurs, tout ce qui est allé dans le carnet d'adresse, il y a CENI, ils ont même limité l'âge pour nous à la sénateur. Mais là, qui ceux qui appartiennent à Yanni. Nous sommes à 25 ans à Kotia. C'est ça. Notre sœur qui a Amina Tanamasia. Namasia. Elle n'a pas elle a 27 ans. Elle n'a pas encore 30 ans, mais elle est là-bas, sénateur. C'est ça aussi le problème avec notre pays. Le rapporteur Ivan Kazadi. C'est ça le problème avec notre pays. C'est que moi, je suis en train d'éliter et vouloir. C'est que. Donc, il faut tout miser sur le renouvellement de la classe politique. To lembi ba to kala kala wana neti bon to lo bana marambu ya ba ati lukwebo na nini nae oyo kala kala wana tango ba bazala ki ba te mambu tumbu tuke note election fo sale ma tout ça bien affiche à salara a komi na affiche nae redorant l'image du Sénat alors que il est le président sortant à Sénat imagine na redorant yenda zala ki wala alinga redorant susuni. Tant à Zala qui a redoré, mais tant à Ngatsko, à ce que vous mettez, non, redorant. Au moins, il faut qu'on cherche maintenant des nouvelles figures, des nouveaux visages. Et en termes, il y a un nouveau visage, il y a un sacré Zala Batobele, Bamegaka à Kotrier, et nous viendrons pour donner des avis. Voilà, il y a un sacré doit trier. Je ne sais pas si c'est la décision du président Tshisekedi il faut primer. Est-ce que c'est au président Tshisekedi de choisir les candidats président et à bureau définitif, il y a Sénat? Ou encore c'est une forme de vouloir personnel ou encore du choix de chaque personne? Non, moi je vais être ceci, moi je vais être dans tel poste, ou bien il faut que votre regroupement politique et envoyé comme candidat, c'est très important. Alors, merci beaucoup, parce qu'on nous dit ici, la campagne électorale, c'est les 6 et l'élection, c'est les 7 août 2024, sous les coups de 13h heure de Kinshasa, en direct de l'hémicycle du Palais du Peuple à la Chambre haute du Parlement, le Sénat congolais, c'est le mercredi 7 août 2024. Et le même jour, il y aura aussi installation de ces mêmes bureaux définitifs. Donc, après élection, il y aura comptage. Après comptage, il y aura la présentation de la nouvelle équipe élue. Et à la fin, il y aura installation de l'équipe et le boulot va commencer. Après cette élection, les sénateurs vont aller en vacances parlementaires et pour revenir le 15 septembre 2024 en session budgétaire comme à l'Assemblée nationale. Alors, parlons maintenant du procès Corneille Nanga. Maître David Isiaka, Ozali Moto, Ozali na maîtrise, il y a dossier parce que Ozali juriste de formation. Alors, on se pose la question de savoir, Moto nan bakangite, est-ce que bako sambisaye? Nini o Ozali ko salama, est-ce que logiquement parlant, dans le sens normal, est-ce qu'un modèle, il y a déroulement, il y a procès Nanga ko salama, est-ce que c'est conforme à la loi? Et la deuxième des questions, c'est de savoir, parce que Tolanda qui un reportage, il y a Bande Kolabiso à Jeune Afrique, Tomoni une intervention, il y a Corneille Nanga, Ozali Koloba, procès na Ozali ko salama na Kinshasa, c'est du populisme, c'est hors la loi, et ainsi de suite. Est-ce que la justice congolaise, Eza, sur une bonne voie? Est-ce que aujourd'hui la ministre d'État, ministre garde des sceaux, Azali sur la bonne voie? Est-ce que Makamboné Azali Koukine, Azali Koukine Malam, et où en sommes-nous avec ces procès Nanga? Merci de vos fiston. La Kambouetali justice, Ezana Adage Oelobaka, que c'est la justice qui élève une nation. Nakati a procès Owana. Nous avons des cadres juridiques Oyo Eza mis en exergue. Nous avons le code pénal militaire. Nous avons aussi de l'autre côté le cadre légal qui est le code de procédure pénale. La question essentielle aujourd'hui Oyo Koutou, je suis en train de regretter en tout cas. Il y a comme on a nos jeunes frères Baotiko Silissa dans des universités qui ont fait le droit remettre en cause
les enseignements donnés par leurs professeurs, tout ça, en contestant ainsi la non-existence d'un procès par défaut en pénal. Alors que le procès par défaut en pénal existe. Cette procédure de juger une personne en son absence, le jugement par défaut en droit pénal vise justement à assurer l'efficacité de la justice pénale tout en garantissant les droits de la défense. C'est-à-dire. Et cette, disons, comment disons, ce cadre-là s'appelle ce jugement sera appelé jugement par contumace. Et donc, en droit pénal, le procès par défaut existe. C'est-à-dire, il est possible de initier une action en justice pénalement en l'absence de l'intéressé qu'on peut appeler communément prévenu. Et cette procédure s'appelle la procédure par contumace, justement pour assurer l'efficacité de la justice. Et le cadre légal pour ce qui concerne la procédure pénale, c'est à partir de l'article 64 jusqu'à 67, quelque chose comme ça. Et si on rentre dans le code pénal militaire, l'article 327, qu'est-ce que dit l'article 327 du code pénal militaire? L'article 327 du code pénal militaire dit que tout ce qui concerne, sauf préjudice, attends, on va lire cet article, sauf préjudice du code pénal, mais tout ce qui concerne les affaires portées. Excusez-nous, tout là, en c'est à... le code pénal militaire. Là, c'est le code pénal militaire. Tout en article 1. Donang a été aligné dans une liste de militaires ou comment? Parce que apparemment il n'est plus civil, il est maintenant colonel Nanga. Oui, c'est un rebelle. Il est rebelle et du coup, il est en train de poser des actes de crime. Qu'est-ce dit l'article 317? Sans préjudice des obligations du code de procédure pénale ordinaire, les citations, assignations et notifications devant les juridictions militaires obéissent aux prescriptions que du présent code pénal militaire. Et donc, que toute personne oyo azo critiquer le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux dans sa démarche d'ouverture de ses procès, que toute personne oyo aza na voix na o critiquer a retiré parole nae parce que droit ici avança déjà. En France, comme partout ailleurs, le procès pénal par défaut existe justement pour assurer l'efficacité de la justice. Et na niveau tokominango récemment na yoki que les dossiers élignés allaient sous procès public te balingi ba kotsango en huis clos. Bon, je me demande pourquoi, c'est encore une information à vérifier. C'est encore une information à vérifier. Je me demande pourquoi na ébité. Mais ce qui est élongué public et commis à huis clos, en tout cas, ça va et quoi ça va doute. Mbabombe là-bas congolais. Voilà, Bali Mbabomba nini et quoi ça va doute. Et donc, na niveau dossier Zali, on encourage en tout cas le ministre de la Justice na ba décision pour azapé na mabé na ébélé. Donc, il est un peu trop. Donc, ce qui tolandi maître David Isiaka Malamu, la démarche amorcée na ministère à justice yako sambisa nanga et consort, c'est une bonne démarche pendant quand même que bah arrêter dans nanga te voilà, bah arrêter quelques cadres au bandagi ko ça la chemin ensemble avec nanga entre autres Eric Kouba et les autres bazana Kinshasa. Très bien, bah ko sambisa bango en chambre foraine na prison ya Ndolo. Mais à part cela, il y a beaucoup d'accusés tout ça c'est belé, une affaire de 17 comme Corneille Nanga, Willy Ngoma, Bertrand Bissimwa, Jean-Jacques Mamba, Henri Magi et autres, bah fundi bango. Et il y a aussi quelqu'un répondant au nom de Yannick comme ça, bangone selon bakangi bangote mais baza. Il y a aussi Palouku. Palouku aussi, baza dans une même liste avec des Eric Kouba qui sont à Kinshasa. Oui. Donc la sanction qui va tomber sur les épaules de Eric Kouba, ça sera la même sanction avec des gens qui sont encore au niveau de front ou encore comment? La responsabilité sera partagée selon la gestion de tout un chacun parce que c'est un groupe bien organisé de criminels où il y a un chef, il y a un adjoint et il y a ce qu'on appelle récemment Bakadogo. Et donc les responsabilités seront partagées par rapport à l'acte où il y a Kikuna. Et tout ce que moi je vais insister ici, c'est qu'il faut que nous puissions prendre des réserves en tant qu'hommes de la loi pour comprendre l'évolution du droit et
en termes, il y a évolution. Le jugement par défaut en droit pénal existe. C'est une procédure qu'on appelle procédure par contumace. Et par rapport à Agnon Soana, il faut féliciter le ministre de la Justice parce que la finalité derrière ça, c'est assurer l'efficacité de la justice congolaise. Pour dire que la justice congolaise est à kola la te, bazali pena lissou, likolo ya maramozo le ganana este kuna, et kokoti sape ko bang à la kati ya batum sou soana bazana sima, ya ko encourager les actes ignobles qui tient nos frères de l'autre côté. Donc c'est un peu ça. Alors, par rapport, il y a procès Corneille Nanga. Là, c'est pour essayer un peu de décourager de commencer à faire un front pour qu'il y ait une sorte de participation à Bango. En quelque sorte, oui, pour voir. Donc, en fait, Elo Koana et Salemi pour montrer, c'est un message qu'on lance à la France du monde, que la justice congolaise, dorénavant, elle ne dorme pas. Alors, ici, nous parlons de l'agression rwandaise, Maître David Isiaka. Bon nombre de bateaux basaliques ont opéré dans la République démocratique du Congo, qui ont violé, qui ont pillé, qui ont bombé. Plusieurs de ces personnes sont de la nationalité rwandaise. Est-ce que bateau modèle est bon? Ceux qui FARDC ou encore les Wazalendo arrivent à mettre la main dans les militaires rwandais, dans les personnes rwandaises? Est-ce que Batouana bako sambisa mana justice congolaise ou bien tango ba wazalendo na ba FARDC ba rokanga bango bazui kaka bazongi si bango na Rwanda ba kende ko sambisa bango kuna ba récupérer kaka ba corner inanga ndeba ya kisasa et ça la makande ni un étranger waza ko boma na sol congolais ba kangie ba kozwa bazongi sa na mboka na ba kende ko sambisa kuna piriger peine nae ou bien encore la responsabilité au rozala à la charge ya justice au esa sur place. Ndeko fiston, na sepele mingi na mutu na nayo. En tout cas, makamozo le kanana este bandeko na ngai bozo landa ngai na lingi bola na malamu. La paix, on ne la négocie pas. On ne retrouve pas la paix avec les négociations. Donc les moyens pacifiques mettre à lingi bola. Les moyens pacifiques, na marambo ya paix, les moyens pacifiques n'est pas susceptible d'être accepté. Et donc, si vous voulez la paix, bon, on a la négociation. Et ça, celui qui veut la paix prépare la guerre. Likambo Owana, ce qui te zongi na mibeko, parce que là, c'est beaucoup plus la justice militaire. Ce qui ke batuba outimbo kamusu soubazo na mboka na bino kobundi sabino et kebokangi bango, ils seront considérés en tant que des prisonniers militaires. Naba. Je m'excuse, pas prisonnier militaire, prisonnier de guerre. Dans les prisonniers de guerre, wana, ils seront sous la charge de notre justice. Ils seront sous la charge de notre jugé justice. Jugés ici, condamnés ici, jugé, et ils feront aussi la prison ici. Jugés ici. Si la peine de mort, peine de mort, coup, on va sur place. Et du coup, il faut qu'on là, je crois, il faut qu'on essaie un peu de donner la base légale. Parce que selon le cadre juridique pénal, il y a comment on appelle ça, le cadre juridique légal de temps de guerre, et zalara na ba norme nango tango bokangi quelqu'un que vous considérez en tant que prisonnier de guerre, il devient votre prisonnier et sous certaines conditions oyo vous bokolinga mboka msusu wala basala pour que bino bo livrer le bango mutu na bango. En termes, il y a relation droit international. Parlons d'une manière pratique. Maramoto le cas récemment à Kinshasa, le 19 mai 2024, lors de la violation du site il y a parlé de la nation. Tomoni Christian Malanga Nabasa. Voilà, Tomoni Batuana. Mais Tomoni quelques étrangers peut basala kiwana. Voilà, il y avait des États-Unis Américains. Les Américains basali ko singa ba batonae bazungi sabanguna ba ndeko samba kuna. Et c'est même là l'angle la question na poser kiwa, quelqu'un qui est venu à commettre une infraction sur place ici, est-ce que on doit lui remettre entre les mains de l'ambassade de son pays d'origine pour bazongi sayekuna ba ndosambi sayekuna ou bien il faut aussi la naye parce que soyez tshisekedi na biso kufa ki matanga ngo za États-Unis te ngo za ndea les nanga et autres le militaire rwandais bazar oboma na Congo ba oboma na Goma biso nous avons perdre ce n'est pas les Rwanda. Donc si nous arrivons une fois les Wazalendo et les FARDC ya kokanga batowana ba abattoir na bango fo za na Congo ah ce n'est pas une question zone ça bango Rwanda maître je ne sais pas si de votre côté avec la compétence de la loi aux alango ko lobani
là nous sommes dans les relations internationales entre les États. Et en termes il y a ma relation wana parce que en termes il y a scène internationale, il n'y a pas des amis, il n'y a que des intérêts. Les liens qui nous lient, naoti oloba ke no ceux qui au kangi en étranger na ba contexte ya guerre aza prisonnier ya nani prisonnier na bino. Donc avant même yako extradé, vous devez d'abord établir les fautes afin que la cour internationale puisse s'en saisir afin de sanctionner, parce que biso to za la compétente pour enregistrer ba bino ko wana biso to zoyé, on établit les faits et les fautes, tout ça to zuyé tindie la cour interne na États-Unis te net ba toana ba rotina ba na États-Unis parce que si soki ba tindie ba na États-Unis là, donc en fait vous savez, et comme rappelé likambo ya puissance da puissance des États, comme rappelé mamba puissance des États, c'est ce qui s'est passé avec l'autre mercenaire wana oyo comment il s'appelle encore les gars, si les noms na, et c'est ce qui s'est passé ba tinda ka na États-Unis à l'époque, je crois soki oyo ya Moïse Katumbi bakanga ka wana. C'était en 2011, quelque chose comme ça. Bah c'est en États-Unis, bah zongi ça yekuna. Et donc et comme rappelé likamuya force et puissance des États. Mais ici il faut faire la part des choses, la différence entre l'agression et la guerre, parce que ozoloba en termes de guerre, selon les principes de guerre, si bakangi mutu, mais ici la République démocratique du Congo, nous vivons une agression. Voilà. Nous vivons une pénétration. Quand Tokangi ba Christian Malanga et les Assayas ici, il y avait pas une guerre entre nous Neti et eux. Neti makambeleka ki mamba ya Malanga et les autres. Omonike batuana bazo sambisa bango na justice na biso. Et donc nous devons préalablement établir les faits pour voir si la justice congolaise elle est compétente pour juger ces personnes, et si elle n'est pas compétente pour juger ces personnes, exactement na mboka la onde ba otina ba onku. Il faut ba kenena na cour international militaire, et puis bako leka susu wana nde kuna bako ye bande nini ya osala, soit ba jije bango kuna, soit batini bango na mboka na bango na landi ozo ebele mambo ya droit international. Mais comment expliquer maître David Isiaka, tant ozo le bela ka ya République démocratique du Congo et le Rwanda, ne parlons pas en termes de guerre, parlons en termes d'agression rwandaise. C'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et le Congo est égalé qu'on violait même pas un seul territoire rwandais. Alors, la question est celle de savoir, Maître David Isiaka, les militaires rwandais bazo violé les territoires congolais pendant que, na niveau territoire congolais, ils ont permis na ba militaire ya nation mususu ba kolata ba teni ya ba armée na bango ba se retrouver na sol congolais soki accord de collaboration militaire exacté, parce que on peut tolérer la présence ya ba casque bleu ya MONUSCO na sol na biso, parce que il y a un accord ezali ko lié biso. On peut tolérer la présence ya ba militaire à SADC na sol na biso, parce que il y a un accord ezali ko lié biso. Mais on ne peut pas tolérer la présence d'une armée étrangère, prenons les cas ya armée rwandaise, pendant que bisona bango eza na accord morotezo lié biso pour que to retrouver ba militaire rwandais wana sol la biso. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Selon le droit international, soki ba wazalendo ba FARDC ba kutena ba militaire rwandais baza ko occuper territoire na biso, il faut bombarder, il faut tuer les colons na bango, il faut les arrêter au Genocide Kabango na Rwanda. Quelle est la procédure selon la loi? Tobo marati mais maonde ba bomarabiso, parce que c'est ce que les Américains et les Occidentaux ba aller. Dego fiston en droit international. Déjà eloko ya mutu ya oyo ba congolais fo ba yeba ezaki nous les congolais comme les autres pays toza na kati ya ba partenariat et des amitiés ebele oyo tozo bengaka des organisations internationales oyo ebengami na mukuse la communauté internationale. Par rapport à l'agression qui se passe dans l'est de la République, l'État congolais na kolandela mibeko a dénoncé yango plus d'une fois ou deux trois fois, quelque chose comme ça. Tant on a tozo dénoncer, parce que là nous sommes en train de suivre la procédure normale. C'est-à-dire, vous êtes attaqué, faisant partie d'une communauté quelconque, vous devez dénoncer de l'autre côté pour que cette communauté, qui y a en son sein une commission qui s'en charge pour le maintien de la paix, tout ça, puisse s'occuper de ces cas. Ce qui va s'occuper, en droit international, la légitime défense existe.
et c'est ce qu'il faut faire pour le cas de la République démocratique du Congo. Parce que bazo agressé bino nakata ko agressé bino wana bo dénoncer, on a dénoncé et maintenant comme il y avait pas de solution to ça ni on doit maintenant se défendre de légitime défense en termes il y a droit international et au côté nakata lo koana et nous allons nous défendre sous ces rubriques il y a légitime défense. Et donc ce qu'il faut faire toko tika bango tene bazubo marabande kona biso et loko ya kosala ezali to dénoncer solution ezate maintenant il faut to se défendre légitimement proportionnellement na oyo bango bazo sala nini bazo sala biso ba bombarder na Goma biso peut bombarder c'est la légitime défense c'est voilà c'est autorisé par les droits internationaux oui la légitime défense Il est autorisé. Et donc, en termes de la légitime défense, elle est autorisée à condition que cette réplique soit proportionnelle à na oyo, donc l'autre partie à Salaki pour mais que. Mais ceux qui vont avoir Betty Bomb, 10 personnes qui vont finir à Congo, ils vont faire des bombes, le nombre de 10. En fait, parce que vous parlez de la proportionnalité. Ça problème, il y a nombre ya bato okufate. Et ça problème, il y a outil. Ah bon, ceux qui babetio par exemple lichette. Yo robet en sa cité. Faut que beta iloko oza proportionnellement la lichette. Ah bon. Parce que soit okay que bakatio lito iboye yo pe okati lito iboye wana to wana to komi na cette histoire de hey pour hey d'important tout ça on ne parle biso toza la légitime défense babetio likofi yo pe zongi sa likofi babetio mbata yo pe zongi sa mbata soki babetio mbata yo zongi si likofi wana ze sous légitime défense c'est wana okoti na mamsusu et c'est toi qui pe en tirer peut-être des conséquences négatives et donc na kate loko o wana tout ce qu'il faut faire maintenant bon on a évité ceux qui mapinga na biso baza déjà équipé on n'a pas le temps ya koloba sous ce belé le temps qu'il faut exactement oh il faut to consommer yango pour la légitime défense parce que on avait déjà dénoncé et nous sommes dans les bons maintenant et là où ça là exactement légitime défense c'est là où je salis nos frères de l'autre côté le Wazalendo oh bako salam sala kitoko makasi et depuis Kinshasa où nous sommes nous vous félicitons to continuer bongo bendele koyate to kolonga donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'était Maître David Isiaka Wazaki invité d'honneur na biso mokola lelo à to le belibingi au Italie élection à bureau définitif ya Sénat et ko salama le 7 août 2024, donc c'est le mercredi de la semaine prochaine, et aussi Tomeki ko ça l'analyse par rapport au procès Nanga et à la responsabilité du ministère de la Justice et garde des Sceaux, et aussi la réalité sur terrain face à l'agression rwandaise. Ndeko Fiston, oui, je m'excuse, il y a un peu de soucis sur Makamouya. Stade des martyrs. Oui, non, pas seulement le voilà. Non, pas seulement le voilà. La responsabilité du Rwanda par rapport au massacre et aux tueries, viol dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans son biscuit, Maître David Isiaka. Alors, le Belagibiso aussi, ces sérieux problèmes de transport à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a eu grève des chauffeurs, des transporteurs privés. Il n'y a pas eu moyen de se déplacer. Il n'y a eu pas moyen d'aller même au service pour un bon nombre de Congolais qui sont piétons, qui dépendent plus des transports en commun. Et aussi Maître David Isiaka vient là de nous signaler que par rapport au transport sous responsabilité de l'État congolais, prenons le cas de Bus Transco, il y a beaucoup de lignes déjà désactivées comme le cas à Rampoangaba Victoire, et prenons aussi Ipen Victoire, il y a bon nombre de lignes Gambela Kingasa Nasuka et ça la rallye société, donc il y a un très sérieux problème. Aujourd'hui les déplacements de Kinoa ils ont en charge, il y a bas privé et c'est privé, bah ils ont revendiqué tracasserie, marambouébélé, bataxe et bélébélé et ça pose problème. Alors nous allons finir avec cette actualité où ils allaient vraiment Kinshasa Mobimba et aussi les réseaux sociaux par rapport à un concert organisé le samedi 27 juillet 2024 dans le stade de martyrs, une production du label Majabu Gospel et l'artiste musicien qui était sur scène c'était le pasteur Mike Kalambai.
pendant ces concerts, après ces concerts, beaucoup de victimes, de blessés, de morts, et l'hôpital qui a accueilli, et la morgue qui a accueilli de morts, c'était la morgue de l'hôpital Vidjana, non loin de la RTN, c'est la Voix du Peuple, sur 24 Niangwe, et cela s'est passé dans des conditions un peu tristes, et Maître David Isiaka, les responsabilités sont partagées. Est-ce que c'est Mike Galambay qui a tué toutes ces personnes? Bon, Ndeko Fisto, on a l'anda qui paye message à ministre de la Justice, ministre d'État, qui appelle les autorités compétentes de se saisir de l'affaire afin d'établir le responsable Yamakambouana. Et na parti Oyo, Tozali, d'un côté, le pasteur Mike Galambay, qui est l'artiste qui était produit dans le stade des martyrs, il y a aussi Majabu, considéré en tant que l'agence. Majabu, c'est l'agence, hein? C'est une entreprise. Oui, oui. Et de l'autre côté, il y a l'administration du stade des martyrs. Mm. D'abord, tozo pesa mes condoléances mingi na ba oyo bakufeli batukuna. En tout cas, mes condoléances et que Dieu vous assiste. Tozo zonga sikoyo na makambu ya partage des responsabilités afin que la justice soit faite. Na mona ki pe susu na ba réseaux sociaux et partout ailleurs, batu oyo baza ko inciter la justice ba kanga pasteur Mike Galambay, ba kanga pe Majabu. Il y a aussi d'autres personnes qui sont parties très loin pour la roloba makambu ya il y a responsabilité pénale dans cette affaire. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ceux conscients, tout bas dans le pasteur Mike Galambay, pénalement, le pasteur Mike Galambay n'est pas responsable de ce qui s'est passé, à moins qu'il peut être responsable civilement selon l'article 260. Tout le monde a l'article 260, il y a Code civil, livre 3, tout à la ce qui est l'obini. L'article 260 du Code civil, livre 3 est l'obini. L'article 260 du Code civil. Et ça, le balabiso que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa charge. Et l'ingolo banini. La responsabilité pénale. Cette répression vise la réparation. Alors que pour ce qui concerne la responsabilité... Oh non, je suis en train de parler de la responsabilité civile. Mm. Dans la responsabilité civile, c'est la réparation. Où il y a un aspect, quand tu causes par ton propre chef dommage à quelqu'un, il faut réparer cette histoire. Il y a aussi un autre aspect, toujours dans le civil, que si ce n'est pas toi qui cause un problème préjudice à autrui, mais que c'est une personne ou une chose à ta charge, tu es obligé de réparer. Et parlant des choses à charge, tout le monde en est concerné la prestation de Kalamay, parce que c'est lui qui était l'emblème, qui était la star. Voilà, il était à l'honneur du jour. Et c'est grâce, disons, c'est à cause de sa prestation de Batouba Koufi. Et comme la prestation Oyayewana Ezali concernée, il est obligé de réparer civilement. Mais pénalement, il n'est pas responsable. Il y avait un contrat qui existait entre pasteur Mike Galambay, Toloba pasteur T, un contrat qui existait entre Majabu et le stade des martyrs. Dans le contrat, il y a des responsabilités partagées. Il y a des obligations et clauses incluses dans ce contrat. Que non, il y a des obligations incluses. Et dans le motif même, il y a des obligations incluses pour nous permettre et ils sont sous place à Robert Taraba l'été. Et comme il place à Robert Taraba, il y a un concert, il y a un moussou. Je vois aussi, il y a bientôt, il y a un peu de temps, il y a un stade de martyrs. C'est pour avoir ne fût-ce que des sous afin de permettre le fonctionnement des agents de l'administration et du personnel il y a ça des martyrs naba frère wana mbongo oyo bango ba personne na yoka ki soki $50,000 quelque chose comme ça na mbongo wana il y a une part oyo l'administrateur ya stade a copé ça na service national à sécurité qui est la police pour assurer la sécurité de l'autre côté. J'ai même vu
na kati ya stade wana, parce que moi je n'étais pas là na landa kango à la télévision, j'ai même vu des agences civiles de sécurité. Ce qui veut dire que le pasteur Mike Kalambay avait sa part dans son contrat et ces personnes présentes dans l'organisation, j'ai fait allusion ici à des agences civiles et la police nationale congolaise, bango pe bazana par na bango et mission na bango ezalaki ko sécuriser batwana soki quelqu'un me ko ikuna au retour sur Mike Kalambay te bokene retour na banane batwana oyo bazaki na mission wana. Mais pourquoi? Et aujourd'hui? Mais pourquoi tout moni Mike Kalambay ben invité y est tout moni ministre intérieur Azalaki, ministre même, santé même, Azalaki, même les producteurs de la province Azalaki et tout moni na ministère et na ministère des affaires sociales. Voilà. Tout Azalaki voilà, je ne sais pas ça dit quoi. Voilà, c'est là où je vais en venir parce que l'essentiel et puis le plus important pour la justice ezano ya rozwana batunyo soana mutu na mutu ape ses explications na e afin a oyeba na za na faute na za na faute te wana c'est encourageant biso to ali kuna te biso to zali sikoyo derrière les fausses spéculations que okay. Majabu, j'ai même demandé à quelqu'un récemment, Majabu agira qui en tant qu'entreprise? Et quand on parle d'entreprise, on voit derrière ça la personnalité morale na Simailo Kouana. Et pour ceux qui ont fait le droit, les personnes morales ne sont pas pénalement condamnables. Au cas quand la personne morale était parce qu'il est invisible, il n'agit que par les chemins yabamsusuana. Et ceux qui ont tangi na ba fiche na présentation na tout ça, on écrit Majabu présente. Et ça bondoté. Ba komi Majabu présente. Et en termes, il y a qu'à établir les responsabilités. Majabu, avec son produit qui est le pasteur Mike Kalambay, Bango Baza civilement responsable. Parce qu'il est impossible, il y a qu'à Majabu, parce que Majabu est personne morale et selon les normes du droit congolais, la personne morale, Bakanga a été civilement. C'est les responsables. Les responsables. Voilà. Batusiko oyo bako zala impité na problème wana, ce sont par exemple parce que au moment qui c'est pas pour rien babenga qui gouverneur ya ville à Kinshasa, c'est pas aussi pour rien babenga ministre intérieur et aussi les administrateurs ya stade wana, les personnes oyo bazana par ya responsabilité à munene, ce sont ces autorités qui doivent répondre de leurs actes parce que avant tout bango bazwa ki ba précaution te binonde bozo louese logo na bino faut pas ça la norme de confiston que non ndenge za bo stade na biso c'est autant de personnes ndenge nini siko bino bo bana o permettre ba laisser aller d'ailleurs selon les règles ba pelouse wana batu banya batu bako ki takakuna te ndenge nini siko bino bo permettre ba tout mutoyer et pas na bino pour na ko signer contrat de prestation si votre sol bozo permettre à ça là le lenge ya lingi et donc le laisser aller eza dans les chefs ya ba autorité na biso. Je suis en train de voir les administrateurs au basina contrat na stade de martyr, je suis en train de voir le gouverneur de la ville, je vois aussi le ministre de l'intérêt. Bah on est fagi bazo ba précaution parce que tozala ki déjà na jurisprudence moko ka ya fali ba to bakufa ki pe kuna elinga pe sabiso ma ele te ke note papa a pe yo ye ye baka ndenge zabo pour éviter les erreurs du passé, pas plus de 80 000 personnes ba on ba sala ka ngote faut te zale pas. Alors lelo maître David ici a ka koza mo beko ke ba concert e beta malisu sou te pendant ke fali pour pesia loi ki stade na epo na les 10 dans les 11 août, est-ce que c'est une bonne décision? C'est une bonne décision. Une minute. C'est une bonne décision, moi j'encourage ça, c'est une bonne décision. Je suis d'avis, catégoriquement d'avis, le temps aussi que tu trouves bah, coupable, stade de Kangama. Ce qui est bah, bête, c'est une bonne décision. Kermesse, si tu as moqué, tu vas beaucoup fander kuna makasi. Parce que si tu as fallu au coach na kermesse na bandal, tu vas déborder beaucoup fame stade de martyr zanzungwa monene. En fait, tu vas au stade de martyr pour. Parce que déjà la mitu na biso tobi que stade de martyr za la ramunene to ke ne biso nyo sera atokoka. Mais kermesse au bi que kermesse ah kuto ata 100 personnes ba au ke ne point. Pour place les alaté. Et donc, c'est déjà l'esprit que stade de martyr za la ramunene nous toko eko contenir bisonyos, mais soki ko ebi ke no kermesse tel ezala ramuke kuna mulunge ezala kuna chez ezala
Bon, très non, bien. Je suis pas pour, je suis pour Nini, voilà. Merci beaucoup, Maître David Isiaka, qui sera permanent à partir de cette semaine dans nos différentes émissions. Maître David Isiaka, il est juriste, il a aussi sa part de responsabilité à donner des idées par rapport à l'évolution politique, sécuritaire et sociale, économique de son pays. Yenda Zalek invité Nabiso pour cette édition. Merci beaucoup na bande konoso pour la Nabiso bipai nyonso na mikilia bapaya à la Kinshasa, na ba province, na ba territoire, Nabiso to pesi bino so moté. Merci beaucoup surtout na moment Nabiso maman Sophie Kiboba à la Nabiso na Kinshasa, bande ko Paris, bande ko Belgique et Angleterre. Bandeko Allemagne, bandeko États-Unis, bandeko aussi à Canada, bandeko Afrique du Sud, local à mon ami Alain Balemo depuis Afrique du Sud. Namono aussi de Konanga les sousous depuis aux États-Unis d'Amérique, il s'appelle Gaspar. Na pesio mbote bozala ke belé makasi en train de nous suivre, c'est en Kokoki RDC, les temples de la méritocratie et du patriotisme, et surtout nous vous demandons de rester fidèles à nos programmes. À tout à l'heure. Merci. DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo, e Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, oh yeah, yeah.